Le Virage de l'Espoir, c'est d'abord en moyenne 350 à 400 manifestations sur la France. C'est inspiré des marches parrainées qui existaient aux États-Unis. C'est Michel Soublin, parent, qui avait proposé cette approche. Il y a des manifestations sportives, parce que l'idée c'est de donner du souffle à ceux qui n'en ont pas, donc c'est de faire ressentir par des gens normalement constitués ce que représente la difficulté de pratiquer un sport lorsqu'on est atteint de la mucoviscidose et tout simplement même user au quotidien la marche, par exemple, monter un escalier. Voilà. Donc le concept au départ, c'est donner du souffle à ceux qui n'en ont pas. C'est une journée très particulière parce que c'est une journée de sensibilisation. C'est une journée aussi où on collecte. 48% des ressources de l'association proviennent de la générosité publique qui se manifeste le jour des Virages de l'Espoir. Les virades, c'est un moment très important de l'année. Finalement, quand on a une mucoviscidose, c'est une maladie assez lourde. Donc il y a quand même des moments de solitude, de difficultés. Et là, c'est une grande fête. C'est un moment dans l'année où on prend beaucoup d'énergie, où on voit que tout le monde se mobilise. Et c'est un moment très fort, très important pour lutter contre la maladie et finalement vaincre la mucoviscidose. Il y a la course avec les vrais coureurs, donc ceux qui font des performances. Ensuite, il y a les personnes qui viennent pour l'association, pour aider l'association. On a après toutes les familles avec les parents, les enfants, tout le monde vient pour participer, chacun à son niveau, à la course. C'est aussi bien courir, c'est aussi bien faire du vélo, ou toute autre manifestation où il faut effectivement montrer qu'on est capable de fournir un effort physique pour accompagner ceux qui ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont en insuffisance respiratoire. C'était bien, c'était pas la même que l'année dernière, donc du coup c'est mieux que ça change. Que l'année dernière, on est passé par là. C'est une journée où on donne notre souffle pour nos patients.